Be proud of you. Oh, je suis une star de maladie infectieuse. Conquiert la bravitude. Oh, quel hasard. La République, c'est moi. Quelle indignité. Sauf que bah, si on regarde la vidéo, ces personnes tapaient en fait dans les mains. Est-ce que vous êtes allé trop vite ? Non. D'abord, je voudrais vous dire qu'ils tapaient dans les mains, mais manifestement, c'est de manière assez détournée désormais qu'on essaye d'avoir des comportements qu'on peut qualifier de factieux. Excusez-moi. Dans les rues de Paris. Mais là, on ne peut pas dire que c'est un salut. Si, on peut dire que c'est un comportement qu'on peut qualifier de factieux. Quelle horreur! C'est horrible ça! C'est un truc de nazi! Vous savez que le général de Gaulle disait: comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 246 variétés de fromage? Eh bien, moi, je vais vous dire que je n'imagine pas plus grand honneur et plus grand bonheur que de présider un pays dans lequel il y a plus d'un fromage, enfin plus de fromage que de jours dans l'année. Voilà. Pour moi, ce serait un immense honneur et un immense bonheur. On a beau dire, mais la France, ça reste quand même le pays des 400 fromages. Comment dit-on fromage en brésilien ? Queijo. Queijo. Et j'en parle en tant qu'économiste pour le coup, c'est que le libéralisme nous a fait perdre le rapport et la valeur de la nature, de la monnaie et du travail. Et c'est ça qu'il nous faut retrouver aujourd'hui. C'est-à-dire que cette valeur de la nature, cette valeur du travail, cette valeur d'être en société, eh bien, c'est ce qui va nous permettre de lutter précisément contre la montée du fascisme, puisque le fascisme est la résultante de cela. En fait, quand on n'a plus d'autres valeurs, la seule qui nous reste, c'est le drapeau. Quel rapport entre le drapeau et le fascisme ? Mais parce que le drapeau, quand il reste le seul emblème de ce qui nous unit, devient forcément la source de nationalisme et donc à la fin du fascisme. Et j'en parle en tant qu'économiste pour le coup. Oh, c'est original ! Quelle surprise ! Nazi, facho ! Ah, ils sont drôles quand même, hein ! Ils ont un argument à la bouche. Nazi ! Oh, calme-toi, calmez-vous.